Je salue avant tout toutes les âmes ici présentes, toutes les flammes ici allumées, toutes ces lumières, toutes ces prières. Et je veux aussi commencer par saluer l'âme de Sidi Abd al-Qadir bin Mohiddin. Bien sûr, les hommes de Dieu qui ont pu rentrer dans cet espace d'éternité, dans cet espace, cet instant qui est au-delà du moment présent, qui est le cœur même du moment présent. Leurs âmes sont éternellement vivantes et vibrantes, source de vie et généreuse de vibrations. Donc, saluons cette âme ici présente avec nous en offrant sourate al-Fatiha. Avec l'âme du Sidi Abd al-Qadir al-Muhiddin, subhanallah, je ne sais pas si vous avez choisi la date, mais nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire d'Abd al-Qadir al-Jilani, lui-même, une connexion qui s'appelle Muhiddin Abd al-Qadir al-Jilani. Aussi, saluons cette âme généreuse, saluons toutes les âmes que vous avez mentionnées, Cheikh Al-Akbar Mohamed Ibn Arabi, Abou al-Hassan al-Shadouli. Saluons l'âme de Sidi Ahmed al-Alaoui qui a laissé son parfum ici en traversant ce jardin. Et saluons chacune de ces âmes qui sont venues se recueillir dans cet espace de grâce, dans cet espace de prière. Saluons toutes les pierres remplies de prières, d'intentions. Saluons les âmes de ces architectes, de ces artisans qui ont apporté leur cœur, vraiment, qui ont vraiment apporté leur cœur, et plus que leur savoir-faire, leur savoir-être. Saluons les flammes, toutes ces bougies qui ont allumé, aidé quelqu'un à lire un verset, à prier, après ça se sont éteintes, consumées, parce que, non pas parce qu'elles représentaient un pouvoir, mais parce que c'était leur destin d'allumer et d'être une station sur le chemin. Saluons toutes ces énergies-là, je vous invite à rappeler toutes ces énergies-là, rentrer dans ce monde de vie cachée, de vie, de dimensions cachées d'existence, de cette vie éternelle, de cet amour éternel, et récitons sourate al-Fatiha en l'offrant à toutes ces âmes bénies. Amin. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Malik yawm al-deen. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله dans cette salle baptisée la salle de l'Amir Abd al-Qadir dans la mosquée de Paris, et je vois tout de suite un lien entre les deux, non pas parce que l'Amir Abd al-Qadir fut impliqué d'une manière ou d'une autre dans la construction de cette mosquée, mais je vois que les deux représentent un élan. Ont voulu nous offrir, à nous, les musulmans, de la souffrance sous la France, mais aussi à la sur-France, qui est de plus en plus sûre d'elle-même, qui est de plus en plus sûre, sour, dans ses positions, amer même, qui s'élève de plus en plus dans un elou pour écraser ceux qui sont dans la souffrance, qui vivent sous la France. Amir Abd al-Qadir, comme cette mosquée, au-delà
d'une mosquée, d'un bâtiment, au-delà d'un être humain, c'est une expérience. Expérience. L'émir Abdel Qadir était une expérience, un patrimoine universel. Cette mosquée, c'est une expérience, un patrimoine humain. Et les deux patrimoines ont voulu commencer un élan. Un élan qui n'a pas été suivi. Malheureusement, heureusement qu'il y en a des gens comme vous ici qui cherchent à s'accrocher à quelque chose pour à capter cet élan, ou ne serait-ce que un peu d'énergie laissée derrière. Parce qu'une vraie expérience va laisser des traces vivantes et vibrantes éternellement. Nous avons dit un élan de quoi? Un élan de dialogue entre l'Orient et l'Occident, un élan d'amitié entre les humains, un élan d'universalité, d'universalisme. Je vois l'élan ici. Quand s'érigera le minaret que vous allez construire? Il ne monte vers le beau ciel de l'Île-de-France qu'une prière de plus dont les tours catholiques de Notre-Dame ne seront point jalouses. La France entend ne rien railler, ne rien troubler, ne rien effacer dans l'âme humaine de ce qui a pu contribuer à la réconforter, à l'élever, à l'ennoblir. Quel élan! Quel élan d'humanisme! Quel élan, ça rappelle la charte des droits de l'homme, les Lumières, la Renaissance. Mais quel élan, waouh! Quelle grandeur! Quelle transcendance! Quelle beauté! Élan. Un élan, c'est ça, l'élan de la mosquée de Paris, un élan d'amour entre deux ennemis. Un élan d'amour entre deux ennemis classiques. L'émir Abdel Qadir, sa vie était une expérience, son expérience de vie, son évolution a constitué un élan et nous a laissé à l'al-Mahajjat al-Bayda. Nous a laissé, si on voulait vraiment le prendre, comme il a dit lui-même, vous l'avez bien entendu tout à l'heure, si les musulmans et les chrétiens m'avaient entendu, m'avaient prêté oreille, j'aurais bien fait d'eux des frères à l'extérieur comme à l'intérieur. Des frères à l'extérieur qui peuvent collaborer ensemble, qui peuvent échanger, qui peuvent s'échanger d'expériences, qui peuvent s'enrichir mutuellement. Et des frères à l'intérieur qui peuvent fusionner l'un dans l'autre, s'aimer et semer ensemble. Le slogan de notre mouvement Floraison, s'aimer et semer ensemble. Mais l'élan n'a pas été suivi, malheureusement, par les politiques qui sont venues après. Et nous sommes ici pour retrouver ce souffle. Au moins, je suis ici pour retrouver ce souffle. Et ma toute première visite en France, en 2016, je l'ai baptisé, je l'ai appelé sur les pas d'Abdelkader. C'était la toute première visite. Et je suis toujours interpellé par ce personnage, peut-être par sa mission, fils de Mohieddin, et ce Ihya ed-Din, ramener la vie, nous ramener une religion vivante, nous ramener un Dieu vivant, nous ramener un prophète vivant, nous ramener un Coran, un Coran vivant, nous ramener une tradition vivante, nous ramener un islam vivant, nous ramener un être humain vivant. Parce que, comme vous pouvez le constater, sans peine, que le poids de la mort a pris le dessus sur toutes ces dimensions-là. Le poids de la mort a écrasé l'être humain dans son humanité. Le poids de la mort a écrasé la religion, notre religion en premier lieu, l'islam, qui est souffrant aujourd'hui, cherche un souffle de vie quelque part. D'ailleurs, lorsque je suis rentré tout à l'heure sur l'écran, il y avait un hadith en arabe, heureusement qu'il n'a pas été traduit, heureusement qu'ils n'ont pas mis la traduction parce que ça serait la folie. Le hadith, il dit, celui qui construit une image va être puni le jour du jugement, celui qui dessine
une image, bien entendu, la majorité des musulmans orthodoxes vont encore traditionnalistes, qui vont comprendre que l'image ici, ça veut dire la peinture. Donc, ceux qui font la peinture, est-ce que Léonard, d'entre vous, ceux qui font de la peinture, les... Ah, vous êtes tous des bons musulmans? Ah, ok, mauvaise musulmane, alhamdoulilah, je suis un mauvais musulman aussi. Et puis, à nous tous, ceux qui osent faire de la peinture, dessiner des êtres vivants le jour du jugement, Dieu va leur dire, vont être punis, et soufflez la vie dans les formes que vous avez construites. Bon, le hadith a une portée symbolique, spirituelle. Tout l'enseignement spirituel peut être résumé dans ce hadith-là, si on veut bien comprendre le langage des oiseaux, de l'aigle, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui s'élève au plus haut des cieux, du sens. Il n'est pas venu pour nous apporter une obsession avec un quelconque rituel ou des règles ou des chaînes. Lui-même les a appelées al-aghlal. Tous ceux qui s'engagent dans une forme d'action, une forme d'écriture, une forme quelconque, le message éternel, si tu veux, le jour du jugement, Yawmud Din, il est toujours là. C'est un jour éternel, c'est l'éternel présent. Le divin est en train de t'interpeller éternellement, souffle de la vie dans cette forme. Souffle de l'âme dans cette forme. Sinon, à quoi sert-elle une prière sans âme, une conférence sans âme, une rencontre interreligieuse sans âme, une mosquée sans âme? Soufflez de la vie dans la forme que vous avez bien, que vous avez construite. Le message d'Abd al-Qadir, l'amir al-Mu'minin, c'est bien que le nom Amir a été collé à lui, Abd al-Qadir, est un message de revenir à la vie, retrouver la vie. Soufflez la vie, soufflez de l'âme dans votre islam. Ramenez un peu d'âme à votre islam. Ramenez un peu de cœur à votre religion. Ramenez la spiritualité au cœur de votre religion. Ramenez l'humain au cœur de Dieu. Merci beaucoup pour tout ce que j'ai pu entendre. Si je résume bien, c'était très riche. Vous avez parlé d'un monde binaire, un monde binaire qui est de plus en plus binaire, bipolaire, polarité dans les deux sens, et chacun te dit, choisis ton clan, choisis ton camp, et choisis ton clan avec qui? Bien sûr, nous vivons un combat, je vous dirais, nous vivons comme nous avons toujours vécu le combat le plus grand de l'humanité. Et à notre époque, ça se révèle avec une image plus effrayante peut-être que dans le passé, mais comme l'a dit notre frère tout à l'heure, il faut chercher le vrai combat. Il faut chercher le vrai terrain. Quel est le combat aujourd'hui? Entre qui et qui? Qui en sortira gagnant? Qui est la victime de ce combat? Quel clan tu choisis? De quel côté tu vas te battre? C'est très important de comprendre. Si on veut descendre en bas et subir ce langage, cette présentation binaire des choses, le combat, eh ben, entre Occident et Orient. Le combat, eh ben, entre Islam et modernité. Le combat, eh ben, entre Palestiniens et Israéliens. Mais dans tout ça, il y a un combat. Le combat de l'homme contre soi-même. Le combat de l'être humain contre soi-même. L'être humain qui est en train de se dépouiller d'un élan magnifique, d'un héritage magnifique, d'un élan magnifique dont l'émir Abd al-Qadir
était témoin, et dans cette mosquée était témoin aussi. Un élan d'humanisme, un élan de dialogue, un élan d'amitié, un élan d'aller vers l'autre, de rencontrer l'autre, de connaître l'autre, de forger une amitié intime avec l'autre. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. L'être humain aujourd'hui est en train de perdre, d'écraser cet élan avec des actions stupides. Et lorsque je dis l'être humain, c'est l'être humain en général. Amir Abd al-Qadir, vous avez dit, offre aujourd'hui un exemple. Oui, et offre un message. Et les messagers, sallallahu alayhi wa sallam aussi, sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que Dieu nourrisse sa force et sa lumière et qu'on nourrisse notre connexion avec lui. Donc, si habituellement, traditionnellement parlant, on dit sallallahu alayhi wa sallam juste pour les prophètes, je peux dire sallallahu alayhi wa sallam aussi dans le Coran, فَصَلِّ عَلَيْهِ مِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنُ لَهُمْ, c'est-à-dire prier pour la connexion, prier pour la force, c'est-à-dire que la force soit avec lui. Donc, Amir Abd al-Qadir, que la force spirituelle soit avec lui et que la paix divine l'embrasse de tous les côtés et que sa lumière puisse continuer et que son élan puisse être préservé et continuer et que notre connexion à lui puisse être renforcée. Il est un exemple. Il offre ce message qu'il est possible de réconcilier des idées, des cultures, des religions, des spiritualités, un rapprochement entre Orient et Occident, un homme d'harmonisation. 15 ans de combat, 1947, Ambarzakh, après une après-vie jusqu'à 1983. Un nour. زيتونة لا شرقية ولا غربية. Un olivier qui ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Un olivier qui n'appartient, qui ne peut être possédé. Ni l'Orient ne peut avoir des droits d'auteur sur lui, même s'il est le chef de votre libération. Même si vous voulez le figer dans ce rôle temporaire et temporel, il est bien plus grand que ça. Pour l'Occident ici, on ne peut pas le réduire à ses cendres, dire voilà, c'est l'homme arabe musulman qui s'est réveillé sur la beauté de l'Occident, et ben, il a quitté son fanatisme religieux comme on a pu voir dans un livre, parce que c'est ça la lecture simpliste qu'on peut voir à Poitiers lorsqu'on lit l'histoire de Abd al-Rahman ou l'Amir Abd al-Qadir, etc. Bien sûr, parce que tu choisis ton clan, nous sommes la lumière et l'autre, c'est les ténèbres. Mais il y a quelques enfants des ténèbres qui sont sauvés, qui arrivent à se sauver des ténèbres en venant s'immerser complètement, fusionner complètement, s'oublier complètement dans notre lumière. Il y a ce langage binaire aussi. Mais au-delà de tout ça, pour moi, Amir Abd al-Qadir, c'est ce verset de Ayat Nour. Allahu Nour Samawati wal Ard. La vérité divine, c'est la lumière des cieux comme de la terre. Deux sens ici, au moins, qu'on peut comprendre. C'est-à-dire, comme la lumière divine, elle est palpable dans le monde des cieux, c'est-à-dire dans le monde angélique, n'oubliez pas que la terre doit réclamer sa part. Allahu ma nawarsh as-samawat faqat. Il n'est pas juste la lumière des cieux. La terre n'est pas censée être un lieu des ténèbres. La terre doit réclamer sa part dans cette lumière. Allahu nuru samawati wal ard, comme le dit bien notre maître Isa alayhi salam dans sa ruqya de shifa qui nous a été transmise par son frère Muhammad alayhi salam. Allahumma kama rahmatuka fi as-samaa faj'al rahmataka fi al-ard. Comme ta paix elle est aux cieux, que ta paix règne sur terre. Allahu nuru samawati wal ard. Oui. Toi, comme être humain, bien que tu as été créé de la terre, réclame ta part dans cette lumière, dans cette dimension entre guillemets, sans figer, mais angélique,
faute de mieux le dire, ou spirituel d'existence, ou éternel. Allah nur as-samawati wal-ard aussi. As-samawat, ça veut dire les idées. Al-ard, ça veut dire le projet, la concrétisation, le concret. Comme Allah, il est la lumière des idées. Comme Allah peut vous inspirer de belles idées, de forger une paix. Il est là pour illuminer votre voie aussi, afin que tu puisses forger ta personnalité et commencer ton projet. Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. Iyaka na'bud as-samawat wa iyaka nasta'in al-ard. Donc, Allah ne vous présente pas seulement un idéal illuminé afin que vous soyez malheureux pour le restant de votre vie. Oh, où sommes-nous de cet idéal? Non, il est là pour illuminer chacun de vos pas dans les détails des détails de vos chemins afin que vous puissiez amener Dieu sur terre. N'est-ce pas ça le rôle de l'être humain? Al-Nija'alun fil-Ardi عبد القادر اني جاعل في الارض عبد القادر اني جاعل في الارض خليفه الخليفه الخليفه عبد القادر سي با الامير عبد القادر le titre spirituel que le Coran lui a donné et donne à ceux qui marchent dans cette voie de réalisation des attributs divins et marche sur terre avec ces attributs-là. Ibad al-Rahman, alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna. Les ibad, ceux qui appartiennent au Rahman, n'appartiennent pas à l'Algérie ou n'appartiennent pas à la Syrie. C'est lié à un endroit d'attache, ma sœur, comme vous a répondu mon frère. C'est l'instant. Et cet instant est Dieu. Et c'est pour ça que partout où ils vont trouver des frères et sœurs de conscience. Ma patrie, c'est la conscience. C'est ni la Tunisie, ni l'Algérie, ni la France. C'est la conscience. Là où je trouve des frères conscients, je suis chez moi. Là où je trouve des personnes qui veulent travailler sur elles-mêmes, je suis chez moi. Donc, Ibad al-Rahman, ceux dont la patrie, ceux qui appartiennent à Rahman, ceux dont la patrie est Ar-Rahman. Allah watani. Wattinu anfusakum ala al-khayr, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne soyez pas comme ces gens lorsqu'ils voient que les gens sont en train de s'engager dans une belle ou bonne voie, sont en train de faire de bonnes choses, ils vont les suivre. Et lorsqu'ils vont voir que les gens, incluant leurs ennemis, sont en train de faire des mauvaises choses, des mauvaises actions, ben, ils vont les suivre. Ne soyez pas imma, a dit Mohammed, le sage, alayhi salam, al-muallim. Ne soyez pas comme ça, des suiveurs. Créez votre propre élan. Soyez maître de votre propre décision. Wattinu anfusakum ala al-khayr. Ayez pour patrie, pour watan, pour point de référence, qui ne tombe pas, pour pilier, ayez quoi? Al-khayr, le bien. Good, goodness, godliness, al-rabbaniya. Parce qu'il n'y a pas de bien sans rabbaniya. Wattinu anfusakum ala al-khayr. Si les gens font du bien, vous faites du bien comme eux et avec eux. Pas dans la compétition, pas pour leur arracher quelque chose, pas pour dire « Ah, c'est nous qui avons inventé ça, c'est pas vous. » Ensemble, ensemble. Mais si vous voyez que les gens ont commencé de dévier du schéma d'évolution qui est l'insaniya, l'humanité, devenir de plus en plus humain, devenir de plus en plus un homme, un vrai homme, c'est ça, Al-Khalif. Si vous voyez que les êtres humains sont en train de dévier du chemin de Al-Khilaf, sont en train de dévier du chemin de Al-Khilaf, c'est pas si vous voyez que les musulmans ont oublié le projet du califat. Non.
si vous voyez que les êtres humains, que l'être humain, votre frère humain, votre sœur humaine, votre époux, votre épouse, votre frère, votre ennemi, si vous voyez que l'être humain est en train d'oublier son projet de khilafa, illa tu wujudi, maqsad ijadi, inni ja'ilun fil ardi khalifa. La raison d'être même de l'être humain, c'est être ce khalifa, c'est être le porteur des qualités divines sur terre. C'est être le transmetteur de cette rahma inconditionnelle, c'est rappeler Dieu. Qawmun idha ru'u dhukir Allah. Des gens, lorsque tu les vois, tu arrives à les voir. Il faut enlever les voiles qu'ils se cachent derrière volontairement, ou les voiles qui voilent vos yeux volontairement ou involontairement. Mais lorsque vous arrivez à les voir, vous voyez Allah. Vous vous rappelez d'Allah. Ibad al-Rahman, alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna. Ils marchent sur terre avec une présence, et cette présence leur inspire une humilité, et cette présence, elle leur inspire une finesse, et cette présence leur inspire une gentillesse, et cette présence leur inspire une douceur. وَإِذَا خَطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Et lorsque les orgueilleux, lorsque les gens qui se portent par le feu de leur colère ou de leur instinct démoniaque, penchés démoniaques, lorsque ceux qui se laissent embraser par leur instinct ou leur penché démoniaque leur adressent une parole, bien sûr, insultante, injurante, injurieuse, ils vont dire que salam. Ils vont trouver une parole qui va ramener la paix. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. L'exemple maintenant de son nour, si vous voulez maintenant voir comment il est le nour de l'ard, si vous voulez comprendre comment vous pouvez vous être terrestre, si vous voulez comprendre la voie, comment vous, tout en étant des êtres terrestres, tout en étant une construction terrestre, tout en étant un être de quatre éléments, feu, terre, air, eau, tout en étant comme ça, vous pouvez quand même être habité par le divin, abriter la flamme du divin, préserver la flamme du divin, laisser briller la flamme du divin, faire resplendir et transmettre la flamme du divin. Si vous voulez comprendre, c'est quoi, à quoi je vous invite, Dieu te dit, le projet, regarde, mets cette flamme dans la lampe de ta personnalité. Fais en sorte que le rythme de ta vie, fais en sorte que les mots que tu prononces, fais en sorte que les actions dans lesquelles tu t'engages, fais en sorte que les formes que tu crées, les structures que tu forges, soient des lampes prêtes, fin prêtes à recevoir le feu de la révélation. Et tellement ces lampes-là sont bien prêtes et fin prêtes, même si le feu de la révélation ne les touche pas, elles savent quand même transparaître la lumière de la fitra d'origine. L'exemple de sa lumière, c'est comme une lampe, kamishkatin fiha musbah, dans cette lampe, on peut parler davantage sur le symbolisme de cette structure une autre fois. Donc, brièvement, un sentimental illuminé, un mental éclairé, un rationnel lucide, hein, voilà la lampe, et un émotionnel bien fait, tout ça, un être humain sain, une personnalité saine qui pourra bénéficier, qui pourra servir de lampe pour cette flamme. Cette flamme de quoi ? Cette flamme de wahi, cette flamme de révélation, c'est ça le symbolisme du feu dans le Coran, c'est toujours
la révélation, Moussa alayhi salam, il a rencontré ou il rencontre le divin ou dans la forme du feu, du buisson ardent. Mais cette lampe, nous avons dit, elle est tellement fin prête, pourquoi ? C'est quoi l'élément le plus précieux dans cette lampe-là ? À part sa structure, à part l'effet miroir, à part la translucidité et la pureté du verre, du verre, ou de la verrerie, à part tout ça, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des gens qui vont dire c'est une huile, mais Dieu ne parle pas d'huile, il parle d'arbre, tout de suite. Il aurait pu dire mais il dit ça vient directement d'un arbre. Peut-être que cette huile-là, c'est l'enracinement. Dans sa propre, sa vraie identité d'être vivant. La fitra, la vraie vie. D'ailleurs, cet arbre-là, c'est un arbre généreux, olivier, mais il n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident. Il a choisi son clan. Il s'est enraciné au bon moment. Là où Dieu te plante, fleurit, voilà ta patrie. Là où la main du divin te plante, fleurit, pousse tes racines et pousse. Là, sois porteuse, sois porteur de la lumière du divin. Comme chef de l'armée, on a vu Mir Abdel Qader vivre ce sens-là. Comme prisonnier, après la prison, comme invité du roi, comme ennemi, entre guillemets, de la République, dans tous ses états et à travers tous ces moments, Amir Abdel Qader a trouvé l'art de pousser. Ses racines, de laisser ses racines pousser de façon de plus en plus profonde. En Dieu, en l'un, en l'être. Il est un homme d'aujourd'hui. Moi, je l'appelle l'homme du jour 8. L'homme du 8e jour. Selon la Bible, Dieu a créé le cosmos en 6 jours et s'est établi sur son trône au 7e jour. Bien sûr, c'est très ésotérique, vous avez besoin des clés pour comprendre de quoi ça parle. Rien que pour l'être humain s'érige au 8e jour, en tant que khalifa, en tant que représentant de Dieu sur terre. L'homme du 8e jour, c'est l'homme de la présence, c'est l'homme de Dieu. D'ailleurs, le verset continue. Fi buyutin adhna Allahu an turfa. Zaytunatan la sharqiyatan la gharbiyya yakadu zaytuha yudhi'u law lam tamsas nar. Nourun ala nour, lumière sur lumière avant tout. Nourun ala nour. Nourun ala nour. La lumière de Nubuwa, de l'héritage prophétique qui s'entrelace avec la lumière de la fitra humaine saine. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. Ceux d'entre vous qui sont les meilleurs durant le temps de Jahiliya seront les meilleurs d'entre vous aussi dans le temps de l'islam. C'est-à-dire, ceux qui ont une belle personnalité vont savoir honorer cette amana, ce feu de révélation. Ceux qui ont ce nour de prédisposition, cette lumière de prédisposition, c'est-à-dire cette insaniya, cette humanité saine, cette personnalité humaine saine, sauront mieux que tout le monde honorer la amana de la révélation saine.
Ceux qui ont un cœur sacré vont savoir lire un texte sacré. Les autres vont tomber dans le délire. De « je suis plus sacré que toi, je suis mieux que toi, ma religion est plus sacrée que la tienne. » D'ailleurs, cette lumière-là, « nour ala nour » aussi, lumière de cœur, lumière de raison, les lumières de la France, de la Renaissance et les lumières spirituelles, « nour ala nour » Allah guide à sa lumière ce qu'il veut. Voilà le projet de l'être humain, c'est être nourun ala nour. Ça, c'est l'être humain qui marche sur terre. C'est comme ça que Dieu est lumière sur terre aussi. Voilà. C'est la réponse de la prière de Jésus. La concrétisation de cette prière, c'est rijal, des hommes. Qui sont ces hommes-là? Rijalun la tulihim tijaratun la bay'un 'an dhikrillah. Des hommes qui reste toujours concentré sur le projet divin. Brièvement, ici, ces rijels-là, on les trouve dans d'autres versets. Rijalun sadaqu ma'ahadullah alayhi. Des hommes qui ont honoré la promesse qu'ils ont donnée à Dieu et aussi au nom de Dieu, des gens qui honorent leurs promesses. Le mot rijel est mentionné dans une autre sourate. Des hommes qui cherchent à se purifier, ou plutôt, littéralement parlant, qui cherchent à se dévouer, à se consacrer. Yatasaharu aussi, des hommes qui cherchent à se forger, à se développer. Des personnes qui cherchent à se développer en Dieu, à grandir en Dieu, à se laisser forger par le feu, hein, de cette nar, de cette révélation. Un autre verset aussi qui parle de Rijal, que nos sœurs n'aiment pas et que je n'aime pas, ainsi compris, Rijal ou qawwamoun ala nisa, les hommes ont un rôle de supériorité, supérieur si tu veux, au rôle des femmes, et là, une interprétation un peu romantique qui allège un peu le sexisme qu'on trouve ici, va te dire non, les hommes doivent, parce que la force physique que Dieu a donnée aux hommes, ils doivent vraiment travailler afin que les femmes soient dans une position de confort. Là, il y a plusieurs femmes qui vont aimer ça, mais le féminin en moi n'aime pas ça, parce que je trouve un sens encore plus profond, encore. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Rajul, c'est celui qui marche sur deux pieds. Nasiya, al-nasi, c'est celui qui est laissé derrière. Maintenant, on commence à comprendre un peu plus ce qui se trouve dans cette vie-là, debout, sur leurs deux jambes d'intention et d'attention. Ceux qui se trouvent conscients. Ceux qui se trouvent sur la montagne peuvent avoir cette vision macro, peuvent avoir cette vision des choses. Eux, ils ont une responsabilité, Al-Qawam, ils ont une responsabilité envers ceux qui ont été laissés derrière. Et Abd al-Qadir, un homme conscient, qui a marché tous ses pas avec intention et attention, finesse. Des attentions très particulières, on a vu tout à l'heure, même dans les pourquoi il a amené toutes ces médaillons et tout ça. Et intention, il avait de l'intention dans tout. Un homme conscient. Lui, qawwamun alayna, nous sommes un nisa, nous sommes laissés derrière, parce qu'il est notre ancêtre. Vous avez mentionné des mots-clés dans votre présentation. Légende, ancêtre, modèle, isme. Et c'est exactement ça qu'un homme de Dieu veut offrir, qu'un rajul veut offrir au Nisa.
qu'un homme de Dieu veut offrir à ceux qui sont laissés derrière, afin qu'ils puissent voir sa lumière et suivre ses traces et suivre son élan et bénéficier plutôt de son élan. Oui, la vie de l'émir Abd al-Qadr était une traduction de la vie du prophète, effectivement, l'un dans l'autre. Il n'y a pas mieux que cette biographie pour comprendre cette biographie. Il n'y a pas mieux que cette vie, la vie d'un homme de Dieu, pour comprendre la vie d'un prophète. Mais je reviens sur ces mots, sur ces termes riches, riches de sens. Légende, ancêtre, modèle, isme. Dans la psychologie, il y a des psychologues qui ont parlé des quatre piliers de motivation, de quatre piliers pour ramener quelqu'un à la vie. Quelqu'un, une personne qui souffre d'un post-traumatisme, comme nous, une personne qui est devenue ala, une personne qui est devenue ala, ayal, l'awail, nisa, une personne qui est devenue, qui est laissée derrière et qui n'arrive plus à suivre, qui n'arrive plus à se mettre sur ses deux jambes et marcher, que dire, courir, comment on peut la motiver, comment on peut la guérir? Ils ont mentionné quatre cures. Ils ont dit un sentiment d'appartenance, un sens d'appartenance, un sentiment d'appartenance profond. T'en as besoin. Si tu n'appartiens pas, t'as pas de racine. Deux, ils ont dit une cause, une mission. Si tu n'as pas de cause, si tu n'as pas de mission, tu vas être perdu. Si tu ne comprends pas le sens de ta vie, le pourquoi tu es là, tu vas souffrir. Tu ne vas pas trouver cette motivation. Tu auras une transcendance. Une transcendance. Une force avec laquelle tu peux transcender ta condition. Une transcendance des souffrances, de la souffrance, d'être sous la France, d'être colonisé par la France, une transcendance d'un contexte qui veut te définir, qui veut te dire « tu es mon esclave à moi ». Une transcendance de ta victimisation, une transcendance de toutes les conditions qui veulent te convaincre que elles sont tes maîtres et veulent te définir. Une transcendance de ces conditions-là. La transcendance ne veut pas dire oublier ou se droguer pour oublier, non. Une transcendance, ça demande une grande force, une force de transcendance. Trois, ils disent, ils ont besoin d'une belle histoire. Savoir bien raconter leur histoire. Raconte ton histoire d'une belle façon. Tu peux, nous tous, nous pouvons voir ce verre à moitié rempli, à moitié vide. Comme ça, nous tous, nous pouvons avoir une lecture de notre histoire, de notre passé, comme un passé de défaite, comme un passé d'apprentissage, d'enrichissement. Une belle histoire, c'est très important, la belle histoire. Donc, subhanallah, sens d'appartenance, ancêtre. L'émir Abd al-Qadr est notre ancêtre, c'est la lettre A de l'alphabet. Et les autres lettres de l'alphabet sont censées suivre le lion du A, car A, c'est le roi. La lettre A dit « J'y suis le roi de 25 soldats ». Si je n'y étais pas, Paris sera pris. Hada, l'émir Abd al-Qadr. Si cet esprit d'Abd al-Qadr n'est pas en nous, ne revient pas en nous aujourd'hui, on va être la tour de Babel. Tour de Babel, les discours islamiques aujourd'hui, partout au monde, blablabla. On ne se comprend même pas, on n'arrive même pas à se rencontrer, on n'arrive même pas à s'entendre, on ne se tolère même plus. Pourquoi? Parce que le A n'est plus là, le Elif n'est plus là.
A, en arabe, c'est la lettre Alif. Allah fa bayna qulubihim. Allah fa bayna qulubihim. Alif, c'est la lettre de l'amour en Dieu. C'est la lettre d'être en Dieu. Alif. Abdel Qadr, c'est notre ancêtre, donc nous avons besoin de le réclamer comme ancêtre. Non seulement nous, les musulmans, mais aussi les Français. C'est un ancêtre pour les Français aussi. Cette expérience, une expérience ancêtre. Ceux qui ont rencontré l'émir Abdel Qadr ou étaient là pour donner ce discours dans cette mosquée sont des ancêtres des Français. Et nous avons vraiment tous besoin de réclamer nos ancêtres. Wallah. Le français doit avoir honte aujourd'hui. Nous sommes, où sont passées nos lumières et notre renaissance? Nous sommes où de la lumière, de la renaissance, des droits de l'homme? Nous sommes où de ces phrases-là? Et les musulmans, nous sommes où d'Abdel Kader? Nous sommes où de nos ancêtres qui nous ont donné espoir à un moment donné? On a failli croire que c'est ici et là la possibilité. Voilà le khalife, l'homme du huitième jour, l'homme d'aujourd'hui. L'homme d'aujourd'hui, l'homme qui transcende sa condition humaine, animale et tout, l'homme qui vient pour la conscience, l'homme conscient est là, il va s'ériger. Mais hélas, on se trouve qu'on a basculé des années-lumière en arrière, des années-ténèbres. Deuxième chose, la cause et la mission, modèle. Le modèle d'Abdel Qadr, c'est quoi sa mission? Sa mission, c'est être cet homme de conscience, c'est être ce calife, c'est être cet homme d'aujourd'hui, du jour 8, du 8e jour. Et c'est ça notre mission, c'est ça notre cause. Les autres causes ne doivent pas nous faire oublier la cause, palestinienne ou autre, mais bien sûr, c'est une cause. Mais la souffrance, c'est une souffrance. La justice, c'est une justice. Si tu veux lutter pour alléger la souffrance, elle est une. La souffrance de l'autre, c'est ma souffrance aussi. La justice, elle est une. Il n'y a pas une justice pour moi et une justice pour toi. Une paix pour moi, une paix pour toi. Qawamina bil-qisti, shuhada'a ala nas. Comme nous avons entendu dans le verset au début, le mot shuhada'a, des témoins. Pour qui? Pour tous les êtres humains. Porteurs d'un message de justice. Pour qui? Pour tous les êtres humains. Transcendance, bien sûr, on a parlé déjà de la transcendance. Abdel Qadr nous a offert cette transcendance. Qui plus que lui? Qui plus que lui pourrait justifier une vie de guérilla jusqu'au dernier souffle? Qui plus que lui aurait pu être excusé s'il a continué sa vie amère? Mais on a vu tout à l'heure qu'il était sans ressenti. Et Abdel Qadr ben, il nous a laissé une légende, une belle histoire, une figure légendaire. Nous en avons besoin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, inshallah, vous donne le tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, la dégénérescence de l'Occident, est-ce que l'Occident peut toujours servir de maître? C'est une question, et c'est ça la question qu'il faut se poser aujourd'hui lorsqu'on regarde les médias, lorsqu'on regarde la position effrayante, je dirais, de quelques penseurs, est-ce que l'Occident peut toujours prétendre nous enseigner l'art d'être humain? Est-ce que pour notre quête d'un monde meilleur, est-ce qu'on peut toujours aller chercher la réponse chez les Occidentaux? C'est une question que se pose. Oui, il y a une dégénérescence, effectivement, comme la dégénérescence de Rome dans l'histoire. Il y a une dégénérescence, elle est claire, elle est évidente. Tu n'as qu'à aller lire les pensées des années 70 et les pensées d'aujourd'hui, et vous allez trouver un grand écart. Juste par rapport aux choses comme ça. C'est pour ça que nous avons dit, nous avons basculé des siècles en arrière. Ceci dit, chacun, comme il avait une dégénérescence avant ça, du monde musulman. Hein? On est d'accord. Donc, avant le monde occidental, avant que le soleil de réponse humaine, parce que pour moi, le soleil d'Allah brille sur l'Occident, le soleil, ce n'est pas l'islam. La religion, l'islam temporel, conventionnel qu'on voit. Le soleil, pour moi, c'est le hikmah, c'est le khilaf. Le soleil d'Allah, c'est la mission. Oui, à un moment donné, l'homme occidental, effectivement, on peut voir clairement qu'il a pris l'élan pour poursuivre le cheminement philosophique et la philosophie des Lumières. Moi, je peux bien la situer
comme une continuité de la révélation. Le code civil, je peux bien le situer comme une évolution du fiqh que nous avons figé, tué et étouffé au fœtus, au monde musulman. Donc il y a eu une dégénérescence du monde musulman avant tout, après le monde occidental, il a pris la relève et maintenant, hein, pour donner des réponses de civilisation, pour civiliser l'être humain en fait. Si on revient centraliser, le rôle c'est être le khalifa, c'est ça la mission, c'est forger la personnalité consciente, évoluer la personnalité qui dépasse, qui transcende ses identités, ses religions, ses races, etc. etc. On peut voir que effectivement, c'était le monde occidental, c'est le philosophe, le penseur occidental qui a pris la bannière du penseur musulman. Et puis il a continué, Ibn Rushd qui a hérité d'Averroès, qui a hérité de la philosophie d'Averroès. Vous n'allez pas me dire, ou d'Avicenne, ce ne sont pas les musulmans, ce sont les occidentaux qui ont su hériter de cet élan-là, etc., etc. Mais maintenant, nous vivons effectivement une dégénérescence de ça. Est-ce que l'Occident comme il est-ce qu'on peut toujours avoir confiance et venir vraiment en pleine confiance? On voit l'aspect biaisé, on voit comment on joue et on déjoue, on réécrit l'histoire même, subhanallah, on ment au visage, et puis on voit la crise de l'intellectuel qui se dégénère et qui... Maintenant, donc, c'est quoi la réponse? C'est l'Orient et l'Occident doivent venir ensemble aujourd'hui. C'est pas chez l'Orient, c'est pas chez l'Occident. C'est pas chez un islam dans les musées et dans les bibliothèques, emprisonnés dans des livres du 4e, du 5e siècle, ni chez les Français aujourd'hui ou les Européens aujourd'hui. C'est ensemble. Le développement de conscience aujourd'hui, c'est un projet universel, donc nous avons besoin de revenir ensemble. Tu dis Orient et Occident. Oui. Nous, on est héritiers des deux civilisations. Oui. Est-ce que nous, on peut jouer ce rôle-là? Absolument. Et absolument. Si vous voulez réclamer votre héritage de l'Orient et de l'Occident, c'est à vous, hein, c'est à nous, c'est à nous, c'est à vous, c'est pas nécessairement né en France, mais bien sûr, nous avons hérité du savoir classique, du savoir oriental, de la tarbiya, de nos parents, de nos ancêtres, de la baraka, de nos arrière-grands-pères, etc. Mais aussi, nous avons hérité de Baudelaire et de Voltaire. Hein? Ce sont nos ancêtres aussi, qui dit non? Mais bien sûr. Donc, effectivement, c'est à nous, et c'est maintenant qu'il faut le faire. Je ne suis pas d'accord que l'émir Abdelkader, son rapport avec Mahdoun Arabi était simplement livresque. Et d'ailleurs, il le dit lui-même qu'il y a plusieurs choses qui ont été révélées à lui. Et là, en lisant Mahdoun Arabi, c'était des confirmations. Parce que c'est un cheminement unique, c'est un cheminement similaire. C'est une position similaire à laquelle les deux hommes ont été invités. Et c'est ce rôle de Ihya ad-Din, se redonner le souffle à la religion. Ce n'est pas Ihya ulum ad-Din, Ihya, donner du souffle aux sciences de la religion, ça c'est quelque chose. Mais non, c'est Ihya ad-Din. C'est vraiment porter l'esprit guide, la vie de l'esprit guide, porter un nubuwa, porter la prophétie, porter. C'est pour ça que les gens peuvent voir en Abdelkader. Donc, Mahdoun Arabi, il a dit que la femme elle est meilleure que l'homme. Il a dit que la femme a une prédisposition pour embrasser le divin, beaucoup plus grande que la prédisposition de l'homme. Il n'a pas dit ça exactement. Il a dit c'est le féminin. C'est le féminin parce que en toi il y a un homme et une femme, en moi il y a une femme et un homme, féminin et masculin. Il te dit c'est le féminin qu'il faut activer en vous lorsqu'il s'agit de vouloir se laisser pénétrer par la lumière du divin. C'est ça, qu'est-ce qu'elle est en train de vous dire. C'est le féminin en vous qu'il faut activer. D'ailleurs, il y a un hadith, un compagnon qui a dit, on était avec le prophète, Kana Rajulana al-Awhad. Il était le seul homme, nous étions tous des femmes. Là, j'ai longuement compris ça avec une interprétation sexiste, que bon, il était le seul courageux, nous étions tous des lâches. J'ai dit, mais bon. Mais là, j'ai compris après. C'est-à-dire lorsque le prophète était là, parce que le pouvoir spirituel enseignant, lorsque l'enseignement, il vient avec le masculin, l'enseignement spirituel pour jeter la lumière, pour féconder quelqu'un, la fertilité, bien sûr, c'est le masculin, c'est l'énergie masculine qui porte ça. Maintenant, pour embrasser,
pour accueillir, c'est l'énergie féminine qu'il faut plutôt activer. Et c'est ça, qu'est-ce qu'elle te dit. Donc, lorsque tu viens pour un enseignement ou avec la lettre du Coran, accueille, laisse-toi pénétrer, laisse-toi, accueille, laisse-toi porter, accueille, accueille, laisse-toi féconder. C'est ça, qu'est-ce qu'elle, Wallahu A'lam, qu'est-ce qu'elle veut dire. En tout cas, Mouhidoun Arabi, il va de plus sur ça. Oui, il y a toujours un sens éternel, hein? Et il y a toujours une projection temporelle et contextuelle. الرجال قوامون على النساء, c'est une vérité. Lorsque je vois la définition du mot رجال dans le Coran, ça ne parle pas d'homme au masculin. رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله, peuvent être hommes comme femmes. رجال صدقوا ما عهد الله عليه, peuvent être hommes comme femmes. رجال يحبون يتطهروا, peuvent être femmes comme hommes. Maintenant, on trouve الرجال قوامون على النساء. Ce sont les hommes qui ont une responsabilité envers les femmes. Effectivement, il y a un sens éternel. C'est le masculin en toi qui a une responsabilité envers le féminin en toi. Ne laisse pas le féminin en toi se laisser écraser, se laisser dominer, se laisser... Ah, le masculin en toi doit faire des barrières, pas des barrières d'animosité quand même, mais des barrières, une structure afin que le féminin en toi puisse recevoir sans être abusé. C'est les hommes, nous avons dit dans le sens symbolique, ce sont les hommes conscients. Al-Rijal, dans le Coran, ta'ni al-Rajl al-Wa'i. Al-Wa'i al-Ladhi yarith al-Wahi. Al-Wa'i al-Ladhi yarith al-Wahi. Hada al-Rajl. C'est la conscience qui peut hériter la science, qui peut contenir, qui peut hériter la science. Rijal al-Wa'i. Hada al-Hum al-Rijal. Les hommes de conscience, qui peuvent être femmes comme hommes. Donc les hommes de conscience ont une responsabilité envers ceux qui sont laissés derrière. C'est-à-dire envers ceux qu'ils vont laisser derrière, les générations futures. Et nous avons une responsabilité envers les générations futures. Quel climat est-ce qu'on va laisser pour les générations futures? Quelle planète Terre? Quel environnement? Quelle qualité d'eau? Quelle qualité d'air? Quelle qualité de relation? Quel enfer on va laisser aux prochaines générations? Qu'est-ce qu'ils vont dire par rapport à nous lorsqu'ils vont nous regarder comme leurs ancêtres? Qui suis-je comme ancêtre? C'est une très très bonne question de se poser. Tu seras un ancêtre, tu es l'ancêtre de toi-même demain déjà. Donc, ça aussi, donc, les personnes conscientes, ils ont une responsabilité envers les générations futures, mais aussi ils ont une responsabilité envers les personnes qui vivent à leur époque et qui n'arrivent pas à penser comme eux. Et c'est ça le vrai jihad, c'est comme Platon là, qui est dans le mythe de la caverne, qui n'arrive pas, hein, cet héros du mythe de la caverne qui retourne à chaque fois patient vers son peuple pour leur montrer la réalité des choses, mais eux, ils sont attachés aux ombres, ils ne veulent pas, ils sont là, ils sont attachés, ils sont, même lorsqu'ils le frappent, même lorsqu'ils le crient, ils essayent quand même. Mais effectivement, dans un contexte économique bien déterminé, oui, il se peut que les hommes, effectivement, et c'était le cas d'ailleurs dans une société de l'époque, et c'était toujours le cas, et c'est toujours le cas dans plusieurs pays au monde, là où les hommes sont plus équipés pour gagner une vie et mettre le pain sur la table. Moi, je te dis que ce n'est pas toujours le cas. Une femme somalienne au Canada a plus de chances d'être employée qu'un homme somalien. Donc, une femme somalienne au Canada, grâce à une éducation ancestrale, etc., elle se trouve dans le contexte d'aujourd'hui. C'est Anissa au Qawamat ma'ala Rijal. Dans ces familles-là, c'est la femme qui protège, c'est la femme qui amène son enfant, c'est la femme qui conduit. Et je pense que vous pouvez voir ça dans plusieurs familles immigrantes aujourd'hui, parce que effectivement, le masculin, la blessure du masculin prend plus de temps à guérir que la blessure au féminin, parce que les femmes sont plus résilientes, ou le féminin en nous est aussi plus résilient. Wallahu a'lam.
le jargon du Coran n'était pas sexiste. Le jargon du Coran n'avait pas ces jugements de valeur. Même le mot kafir n'est pas négatif dans le Coran. Même le mot mushrik n'est pas négatif dans le Coran. Il n'y a que des termes scientifiques qui décrivent une réalité, un processus, un devenir, et non pas des réalités figées. Il n'y a pas des cases dans le Coran. Kafir, c'est-à-dire c'est quelqu'un, une personne qui s'engage de façon consciente, consciente, allô, consciente dans une démarche de déni et de reniement de qu'est-ce qui est évident et déjà mis au clair. Sinon, ça ne se peut pas. C'est un terme, c'est une terminologie philosophique. Le mot mushrik aussi. Mushrik, ça veut dire la personne qui veut se prendre pour Dieu, avec Dieu. Ou associé à quelqu'un, à Dieu aussi. Le mot musulman, ce n'est pas une case. Ce n'est pas un drapeau. Ce n'est pas une identité. C'est une réalité évolutive. C'est un processus, c'est un projet, c'est un devenir. Parce que être, c'est devenir. Nous sommes dans le devenir parce que nous sommes dans une progression continue, dans le présent éternel. C'est un devenir. Toute la création, elle est dans le devenir. Les termes du Coran ne sont pas là pour juger. C'est pour ça que mar'a, c'est un terme aussi qui a ses honneurs. C'est pas mar'a. Aujourd'hui, mar'a. Mais mar'a, ça veut dire le forgeron, si tu veux, ou le conteneur, si tu veux, ou la culture. La culture, je cherche quelque chose de féminin. C'est la culture saine. Dans sa matrice, la chevalerie peut être portée. Et de sa matrice, la chevalerie peut naître. Et sous son regard bienveillant, les chevaliers peuvent grandir. Fatima, alayhi salam. Qui mieux que Fatima? Qui est plus rajoul que Fatima? Dans cette assemblée où il y a beaucoup de Français musulmans, où on se pose des questions, un contexte difficile, on se pose la question de savoir est-ce qu'on est français, est-ce qu'on ne l'est pas. Là, on a la figure de l'émir Abdelkader qui nous inspire de dépasser toutes ces dualités et s'inscrire. Et tu parlais tout à l'heure de planter en guise de perspective radieuse et joyeuse. Comment tu vois l'avenir? À partir de l'exemple d'émir Abdelkader. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je vous dis que Emir Abdelkader te dit, tu n'es pas française, tu n'es pas algérienne. Tu es Amatullah. Parce que lui, il a dit, je suis Abdullah. Comme Sayyidina Issa l'a dit avant lui, et c'est ça l'identité qu'il faut porter. C'est la conscience. Ma patrie, c'est la conscience. Par contre, tu bénéficies de deux richesses. Tu vas avoir une connexion double à l'héritage divin. Parce que, comme la France, comme l'Algérie, comme l'Orient, comme l'Occident ont été des théâtres ou aussi ont été des réceptacles de la lumière divine. Il y a une richesse, il y a une fécondation qui s'est passée ici, sur la terre d'Occident, okay, qui ne s'est pas passée là-bas. Et il y a une fécondation qui s'est passée là-bas, qui ne s'est pas passée ici. Donc, il n'y a pas un endroit qui n'est pas un masjid, il n'y a pas un endroit sur lequel Dieu n'a pas marché et n'a pas laissé des traces. Toutes les richesses, tous tes ancêtres peuvent te donner quelque chose. Mais ils ne peuvent pas te dire qui tu es. Il n'y a que celui qui t'a dit « soit » qui peut te dire « soit ». « Reçois ma lumière et sois », il te dit. « Reçois-moi et sois ». « Zaytounatin la sharqiyya ou la gharbiyya ». Soit un olivier qui n'est ni de l'Orient ni de l'Occident. Par contre, qui bénéficie de deux eaux. Bénéficie de deux eaux. Majma' al-Bahrain, il a parlé tout à l'heure. La rencontre de deux mers, la rencontre de deux eaux. Ah, ben nous en avons besoin. Ah, qu'est-ce qui se passe lorsque deux eaux se rencontrent? Un bébé. C'est la fécondation même. C'est toi qui es là. C'est toi qui es là. Fais féconder, laisse cette rencontre-là émerger. Mais
Moi, je me dis, non, je suis, cette loyauté, ma loyauté, elle est envers Dieu. Bon, Dieu est devenu, le mot Dieu est devenu cliché, donc on va le réactiver, on va ramener Dieu en vie, excusez-moi, donc ma loyauté est envers la vérité. Vérité est devenue cliché, on va ramener vérité en vie, ma loyauté est envers la conscience. Conscience aussi est tombée dans les désuètes. Excusez-moi, il faut continuellement changer des termes, choisis le terme le plus vivant, le plus vibrant, qui te parle de cette conscience la plus profonde, de cette vérité la plus vraie, cette réalité la plus réelle, de cet être avec E majuscule, avec un chapeau, avec une couronne. Fais ce que tu veux, mais ramenez Dieu en vie et appartiens à lui. Ramène Allah. Hay. Allah. Hay. C'est pour ça que les soufis ont dansé, derviché, fou, Aouddi, Mamatej. Il n'est pas mort. Pourquoi vous le figez dans cette forme, cette religion, Allah, hay, Allah, hay, Allah, hay, Allah, hay. C'est pas achevé la révélation. Eh bien oui, le souffle de Gabriel est toujours là. Le Saint-Esprit est toujours là. Mohammed l'Éternel est toujours là. L'Esprit guide est toujours là. La lumière de Mohammed, si tu veux, ou la lumière Mohammadiyya, la lumière bénie est toujours là. Donc, Allah, hay. On revient à cette vie. Et Allah hay, puisque les hay, il est aussi muhyi. Il ramène en vie. Reçoit la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala et pousse là où tu es. La prise d'otage te donne et nous donne plus que d'autres aujourd'hui notre chance d'or, la plus grande opportunité, je dirais, de nous ériger comme des êtres conscients. Tout doit venir avec des difficultés, avec des prix. Ce n'est pas en restant dans nos zones de confort, dans nos salons, en avoir nour ou samawat, hein, avoir juste du lumière dans les idées, des idées belles, qu'on pourra s'ériger comme l'homme du huitième jour. Il faut que ça vienne sur le projet. Maintenant, il a dit tout à l'heure quelque chose, il a dit vraiment, qu'est-ce que se passe au monde aujourd'hui nous rappelle à nous. J'ai publié une vidéo hier qui s'appelle « Le plus combat de notre époque ». Vous pouvez la googler si vous voulez écouter plus, entendre plus sur ça. Le plus grand combat de notre époque, c'est le combat de conscience. Et aujourd'hui, c'est l'opportunité de le mener. Et nous sommes mieux placés que d'autres parce que si les enfants de l'Occident sont aveuglés par beaucoup d'ignorance, ils n'ont pas lu l'histoire. Il se trouve que nous, notre génération à nous, nous avons lu l'histoire beaucoup plus que tout le monde. Les deux histoires. Et on connaît, comme a dit notre frère, les lumières de la France comme ses ombres, les lumières de l'Occident comme ses ombres. Donc nous sommes, je pense, mieux placés pour ce savoir-être. Ce savoir-être. Mais ça doit venir avec des difficultés, ça doit venir avec des sacrifices, ça va venir avec la souffrance, mais bien sûr, la ma'na biduni mu'anat, ça ne va pas venir comme ça facile. Donc ça va pas, cette prise d'otage ne va pas nous empêcher et le 11 septembre ne va pas nous empêcher. Au contraire, ça va nous donner et on va continuer. Comme Abdel Qader, il a eu une prise d'otage à son époque. Il y avait des crimes de guerre que la France a voulu appeler des crimes de guerre au moins, et que des crimes de guerre que lui-même il a appelé crimes de guerre. Il a dit, c'est pas moi. Ça a été fait contre mon gré. Ça, c'est pas moi. Il ne parle pas en notre nom. Toi aussi, tu peux le dire fièrement. Et pourquoi pas? Non, Hamas, non, pas en notre nom. Excuse-moi, pas en mon nom. Pas au mon nom. Il y a des juifs qui marchent, qui crient à haute voix dans les rues à New York. Non, pas au notre nom. Qu'est-ce qu'Israël est en train de faire? Et pas au notre nom, cet appui inconditionnel que l'Occident est en train de donner à Israël. Toi aussi, tu veux dire, pas au notre nom, qu'est-ce que se passe? Et pas au notre nom, notre petit nom, mais aussi pas au notre nom comme être humain. Comme être humain, on peut aller, on réclame l'identité la plus réelle, celle de Abdullah, inchallah. Merci beaucoup.